Aujourd'hui, je suis toute seule parce que je vais vous présenter une sportive. Je vais la suivre dans son week-end et je vais essayer de l'interviewer aussi. Donc, si vous voulez savoir de qui il s'agit, vous me suivez, on y va. Oui, vous l'aurez compris, on est dans la voiture et donc je suis en route pour aller rencontrer la sportive du jour dont je vous ai parlé là tout de suite. Et donc, dès qu'on arrive, je vous la présente en direction vers l'endroit inconnu. Voilà, vous l'aurez compris. Je viens de rencontrer ma sportive, qui en fait n'est autre que moi, Mélissa. Donc on a décidé ce week-end de vous montrer ce qu'elle fait en trampoline. Oui. Ou ce qu'elle vient de montrer. Ou alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? En danse. Ça, ce sera pour tantôt ou demain. On vous montrera donc ce qu'elle fait en danse. Elle fera une petite partie de son show en avant-première. Oui. Et sinon, d'autres choses qu'elle aime bien faire d'elle-même. Tu l'as mis en Insta? Quoi? L'autre que tu as fait? Sur la trampoline? Oui, mais ton danse. Ton danse? Ton bout de danse là, que tu avais fait dans le jardin. Oui, je l'ai mis sur Insta. Donc, la semaine passée, on vous a mis son Insta en barre d'infos. On le remettra. Vous pouvez aller voir dessus. Il y a son petit bout de danse qu'elle fait. Oui. Un peu sexy. Voilà, on vous reprend tout à l'heure quand le cours commence. Oui. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Avant de partir, je vais juste vous dire, abonnez-vous. Pourquoi tu tousses ? Abonnez-vous ou likez. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are above. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't... Donc voilà, on a... Ouh, je teste le matériel de mon homme et c'est pas évident. Je peux pas parler en français. Waouh. Donc recoucou les anges. Donc voilà, hier on a pu vous montrer donc ce que Mélissa faisait en trampoline et aujourd'hui on va vous montrer ce qu'elle fait en danse. Alors je précise, logiquement elle fait ça dans une salle et parfois elle s'amuse à faire ça à l'extérieur, dans le jardin. Donc ici on a voulu profiter de vous montrer cet hobby là en plein air, vu qu'il fait beau, le ciel est bleu. Donc voilà, et on va y aller, on va aller voir ça.
Sometimes when you're here, I can't feel no doubts. 'Cause you keep me where the stars are bright. It doesn't really matter 'cause you're here with me now. It doesn't really matter 'cause you're here with me now. It doesn't really matter 'cause you're here with me now. It doesn't really matter 'cause I feel so free now. Donc nous voilà avec Mélissa. Oui. Et on va faire une petite interview. Ça te dit? Oui. Donc tout d'abord, le trampoline que tu as fait hier. Oui. Pourquoi tu as fait ce trampoline? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Parce que j'arrêtais pas de sauter, de courir. J'aime bien quoi. Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait donner l'envie d'aller, tu te dis un matin, on va faire du trampoline. Par où t'as commencé pour en arriver là? Parce que quand j'étais petite, j'ai commencé à faire un peu de tour et j'ai fait le trampoline et c'était vraiment génial. Donc pour l'explication, en fait, tu as commencé, donc elle a commencé dans les maternelles et elle a évolué dans le trampoline, dans le tumbling, dans d'autres choses. Oui. Et au final, elle a dû faire un choix qui était trampoline. Le trampoline. Voilà. Et qu'est-ce que tu as déjà appris depuis que tu fais du trampoline? Parce que le trampoline, les gens, ils se disent, c'est sauter sur un trampoline, et voilà j'ai quoi. J'ai déjà appris des sprints, sprints. C'est sauter avec les jambes ouvertes comme ça. Mm-hmm. Des urks sprints. Oui, évidemment, elle dit tout en néerlandais parce que son cours est suivi en néerlandais. Mais on vous explique tout en barre d'infos. Strex sprints. Mm-hmm. Des baranis, des saltos. Alors moi, personnellement, honnêtement, quand je l'ai vu débuter, je me suis dit, en voyant les autres, elle ne fera jamais ça. Et bien franchement, elle a bien évolué. Oui, et maintenant je suis encore en train d'apprendre pour Sikrouf. Oui, il faudrait que tu m'expliques ça. Oui. Et ta deuxième passion, donc qui est? Danse. La danse? Oui. Comment t'en es venue à vouloir faire de la danse? Depuis toute petite, j'arrête pas de danser et j'étais ennuyée pour dire je vais faire de la danse. C'est vrai qu'elle m'a scié les pieds pour ça. Et il y a un moment, c'est vrai qu'on s'est décidé, on a dit, il y a une salle près de chez nous, bon, on va tenter. Et pourquoi avoir choisi le hip-hop? Parce que c'est rapide, c'est... ça va à fond. C'est hip-hop quoi. Oui. Et donc tu aimes les deux choses que tu fais. Oui. Et tu penses que tu es encore prête à faire ça longtemps? Oui. Oui, t'aimes bien? Oui. Donc tu n'arrêtes pas le trampoline? Non. Tu n'arrêtes pas la danse? Non. Ok. Tu as d'autres choses à ajouter ou à dire à nos abonnés? À tes abonnés, oui, d'accord. Non. Rien du tout? Pas vraiment, non. Moi, je vais quand même dire une chose, c'est que si vous avez la chance de faire ce que vous avez envie de faire, faites-le. Faites vos rêves, si c'est possible, et que personne ne vous arrête, parce que parfois on va vous dire « Ouais, mais non, tu n'es pas fait pour ça ». Si vous vous sentez prêt et que vous avez envie de le faire et la possibilité de le faire, bah, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à tout âge, parce qu'évidemment, je vais rajouter un petit truc, je fais encore du hip-hop à mon âge et je m'éclate. Donc allez-y, foncez. Voilà, donc on va terminer cette vidéo ici. Oui. N'oubliez pas de liker. J'allais dire de vous abonner, de liker, ça se fait aussi. Et on vous dit à mercredi prochain dans la prochaine vidéo. Bye, bye.